Oui, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aspirer un climatiseur. Pour aspirer le climatiseur, pour que le gaz reste à l'intérieur, il faut d'abord fermer. Lorsque ça marche, vous mettez en marche. Donne-moi la clé annelle, voir. Vous utilisez une clé annelle. Là, nous sommes dans un chantier. Je profite pour vous montrer comment on aspire un appareil. Vous allez d'abord fermer le tuyau du refoulement, le petit tuyau, avec un trousseau de clé annelle comme ceci. Vous mettez là, vous fermez. Je dis quand l'appareil en marche, bien sûr, est connecté. Là, nous sommes sur un 3 chevaux Midea. Donc, lorsque l'appareil en marche, vous fermez ce tuyau et vous attendez que pendant que ceci est en train de tourner, vous attendez que la chaleur qui s'y parte. Lorsque la chaleur est partie, et on ferme la deuxième vanne qui est ici. Deuxième vanne qui est là. Et lorsqu'on le ferme complètement, on arrête aussitôt l'appareil. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà comment aspirer un appareil. On a besoin d'une clé en aile, un trousseau de clé en aile, comme ceci. Là, ce climatiseur prend la clé numéro 5. Donc, voici, c'est la clé numéro 5. Et voici. Donc, vous devez avoir un trousseau de clé en aile, comme ceci. Ok. Je pense que c'est bon. Là, nous sommes dans un chantier où il y avait la fuite au niveau du tuyau. On a essayé de changer le tuyau en cuir. Et là, nous sommes en train de refaire le bandage pour reconnecter. Donc, c'est bon.